Et voilà donc, chers amis de Reka Business Officiel, nous voici donc de retour pour la suite de notre recette de pondu riche aux poissons variés. Ici donc dans la casserole, nous avons notre pondu riche. Et voilà. C'est ça donc notre pondu. Nous n'avons pas remué la casserole avant 3 heures de temps de cuisson consécutive. Maintenant, nous pouvons le faire. Voilà donc maman, kobalola pondu te, ce qui est tokina no malamu te pendant 3 heures de temps, sinon il vous a solo à mobesu. Et c'est maintenant le moment pour nous donc pour mettre notre huile de palme. Voilà, on va mettre de l'huile et le laisser encore quelques temps de cuisson. Donc totier ma fouta na pondu. On a vraiment pondu ici na koko loba ebeli. Mais loko la totie ma futa tokotika lisusu etoka po sola mobesu esila. Et entre temps que nous sommes en train de continuer avec la cuisson de notre pondu, ici on a le chancha ou Thompson ou aussi totokisi torozwaka kamisuni petolong la miku anyanso. Et alors, à l'aide de notre can opener, on a utilisé pour ouvrir la boîte et récupérer notre sardine. Et ici, nous avons donc nos filets de poisson chat que nous avons lavés avec de l'eau tiède et assaisonnés avec notre bouillon de poulet. Et ici, nous avons le garlic ou de l'ail que nous avons haché pour utiliser dans notre recette. Voilà que tout est réuni. Nous allons maintenant commencer la préparation de nos poissons pour la suite de notre recette. On va mettre en premier le garlic. Retenez qu'en même temps, on n'a pas arrêté la cuisson de notre pondu. Ensuite, on va mettre le chancha. Voilà, il faut bien le mélanger. On va y rajouter nos filets de poisson chat. Voilà, chers amis, comment se présentent nos poissons. Maintenant, on va mettre notre sardine à tomate. Voilà. On va encore le mélanger. Voilà. Eureka Business officiel. Pondu riche aux poissons variés. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre vidéo, nous vous rassurons que vous êtes le bienvenu. Vous êtes la bienvenue. You are really welcome. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous présenter aujourd'hui notre recette de pondu riche aux poissons variés. Ici, notre programme congolaise à la cuisine. Merci beaucoup de rester fidèle à notre émission. Et nous vous rappelons que nous disons ici que derrière chaque circonstance de la vie, il y a toujours un business derrière. Ok? Quant à vous d'avoir le flair, d'avoir de l'imagination pour savoir où se pencher, enfin d'avoir votre part du gâteau. Voilà, donc on continue avec notre recette. Merci de nous suivre. Tous ceux qui nous suivent déjà, nous vous disons merci. Merci pour votre fidélité. Merci parce que vous avez choisi de bâtir avec nous cette maison dès la fondation. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne. Nous vous disons merci beaucoup pour cette marque de confiance parce que notre chaîne est encore en chantier.
Mais si vous avez jugé bon de vous abonner déjà, cela prouve à suffisance que vous avez fait confiance à notre travail. Et en tout cas, nous vous disons merci beaucoup. Merci de tout cœur. Voilà, cher ami, nous allons mettre maintenant notre bouillon de poulet. Voilà, je mets pas beaucoup. J'aime pas vraiment utiliser le bouillon, mais pour certaines recettes, comme le pondu, ça vaut la peine, ok? Juste question de booster le goût. Voilà comment le mélange de poissons se présente déjà. Dans quelques minutes, nous allons maintenant le déverser dans notre casserole de pondu. Voilà donc ma maman bisse sangani bien et belli bien si pour te rejoindre pour toi en haut nandu on a bisse à pondu. Voilà, entre temps on continue avec la cuisson de notre pondu. Maintenant on va déverser le poisson que on a préparé dans la marmite. Voilà. Voilà. Ok, une chose je voulais préciser, vous avez vu que j'ai fait la préparation de mes poissons avec de l'huile végétale. Je l'ai fait avec de l'huile de palme. Ok, ça c'est mon choix. Mais si vous voulez faire la même chose avec l'huile de palme, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez mis, remuez votre marmite. Voilà, mélangez le tout. Voilà. Et voilà, congolaise à la cuisine. Pondu riche aux poissons variés. Eureka Business officiel, nous vous disons merci de nous suivre. Et voilà donc, nous laissons encore quelques temps de cuisson. Et voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Voilà donc notre pondu riche aux poissons variés. Voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup essayer cette recette. Essayez en tout cas. Merci à nos abonnés, comme je l'avais dit. Merci de nous faire confiance dès le début, alors que la chaîne est encore en chantier. Merci à ceux qui nous suivent déjà. Vous tous qui nous suivez, nous vous disons merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Voilà, c'est Eureka Business officiel. Ici, c'est la cuisine, les pensées positives, le commerce et divers. Pour le moment, nous sommes en chantier, comme je vous l'ai dit, nous sommes encore basés sur un programme, mais dans l'avenir, avec l'aide de Dieu, vous aurez un programme beaucoup plus varié. Merci, c'est déjà la fin de notre recette. Maintenant, il est temps pour nous de nous servir. Voilà. Voilà notre pondu, j'aime beaucoup. Pondu riche aux poissons variés, j'aime. On se sert déjà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. On vous dit déjà bon appétit chez vous. Bon appétit, c'est ça donc notre pondu riche aux poissons variés. Vous pouvez donc le manger avec le riz, le foufou, la chikwang, ça ne dépend que de vous, le pomme de terre, les bananes plantain. En tout cas, c'est à vous de faire le choix. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de s'accorder. Merci beaucoup, le temps est précieux. Merci beaucoup, le temps est précieux. Si vous nous avez accordé ce moment pour notre vidéo, ça vaut la peine de vous dire merci. Je vous dis bye bye, on se retrouve au prochain numéro avec une nouvelle recette. Bye bye.